إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Tout grand Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous envoie la paix et bénédiction, le Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous pouvons faire une explication verset 43 jusqu'à verset 46 depuis Surat al-Baqarah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala peut dire « Wa aqimu s-salat wa atu s-zakat wa raka'u ma'a al-raki'in » أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Ça quelques versets que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire: وأقيموا الصلاة, applique salat, وآتوا الزكاة, et donne zakat, وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاقِعِينَ, et incline-zut ensemble avec ban qui peut incliner. وَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ, cherche aide à travers la patience. وَالصَّلَاةِ, et à travers la salat. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, certainement salat, les bien dur, إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, excepté ban qui n'a la crainte. الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ, et qui s'en a qui n'a la crainte, alladhine yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, ban qui et na yaqin, qui enzo zut pour joindre Allah, zut pour trouver Allah. Alors donc, wa annahum ilayhi raji'un, et qui zut pour retourner vers lui un jour. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fin commence par un load, wa aqimu salat, aqimu. Allah subhanahu wa ta'ala peut donner nous, applique salat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala lui donne un load, l'ode d'Allah veut dire que nous peinons à choix. Allah fait impose le nom. Le maître, le roi, nos créateurs, c'est lui qui est propriétaire de toutes choses, c'est lui qui mérite l'adoration, c'est lui qui pour juge nous le jour du Qiyama, c'est lui qui pour récompense nous pour nos obéissances, et c'est lui qui est capable de punir nous pour nos désobéissances, c'est lui qui fait une prépare un paradis pour ban qui soumettent, c'est lui qui fait une prépare un l'enfer pour ban rebelles. Allez, l'ipé de nous un l'autre. Aqimu, applique salat. C'est lui qui respecte le commandement d'Allah, c'est lui qui soumet à l'aude d'Allah. Alors, définitivement, il peut être récompensé de dunya, il peut être récompensé de ce qabar, et il peut être récompensé dans l'au-delà. Et celui qui n'a pas respecté l'eau d'Allah, les rebelle contre l'eau d'Allah, ou bien les désobéit à Allah, alors il mérite Allah sa punition dans l'au-dunya, il mérite punition dans son qabar, et il mérite punition dans l'au-delà. Alors donc, nous musulmans, les obligatoires l'eau nous, nous peinons à choix là-dedans, excepté obéir à Allah. وَمَا كَانَ les mu'minin, Allah dit dans l'autre surah, surah al-Nisa, wa ma kanda li mu'minin, un croyant, wa la mu'minatin, un croyante, idha qada Allahu rasuluhu amran, quand Allah et son rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donnent l'ode, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, je te peine un choix dans cette décision. Quand Allah donne l'aude, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne l'aude, le croyant lui pas trouve le choix lui. Ça qu'Allah dit, il est besoin faire. Ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ordonner, il est besoin abaïd. Alors donc, quand Allah peut dire nous, aqimu, applique salat. L'aude pour appliquer salat. Celui qui fait salat, celui qui applique salat, il mérite récompense. C'est lui qui n'a pas fait salat, il mérite Allah sa punition. Mais la question qui se pose, c'est quoi iqamatu salat? Applique salat. Dans le Coran, Allah finit dit applique salat.
Allah pas fin dire sallu. Allah pas fin dire fait salat. Allah fin dire applique salat. Dans hadith aussi pareil. Hadith Jibril et aussi dans les autres hadiths encore. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, hadith qui est rapporté par Ibn Umar radiallahu an, Bouni al-Islam ala khams, Islam fin bâti à l'eau cinq piliers, Shahadati Allah ilaha illallah, témoignage de l'unicité d'Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et que Muhammad, le messager d'Allah, wa iqam is-salah, et applique salat. Hadith Jibril, toujours de Bukhari et Muslim, qui rapporté par Omar ibn Khattab radiallahu an, quand une personne, Jibril dans forme un humain, fait une question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni an l'islam, informe-moi à propos de l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fin djali, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah, l'islam c'est que tu témoignes l'unicité d'Allah, wa anni rasulullah, et que moi, mon messager d'Allah, wa tuqimu salah, et tu appliques salat. Donc, frère en islam, c'est quoi iqamat salah, iqamatu salah, qui veut dire iqamatu salah? Un djimon, ban musulman, nous avons ban djimon qui fait salat, nous avons un qui régulier dans ce salat cinq fois par jour, et un qui régulier dans faire salat, mais ce n'est pas cinq fois. Tous les jours, il fait salat. Ce n'est pas fait cinq fois par jour. Et il y en a qui, parfois, il fait salat. Mais quand nous piquons iqamatu salat, c'est Benjamin qui régulier cinq fois par jour. Celui qui fait quatre fois par jour, il ne pas trouve dans la catégorie ban muqimi salat. Ban muqimi na salat. Les pas font partie dans ban qui paye, applique la salat. Pour qu'il nous rentre dans sa catégorie ban qui paye, applique la salat, nous besoin faire cinq fois salat par jour. Parce que Allah fin ordonne nous cinq fois salat. Pas nous ordonne nous quatre. Pas nous ordonne nous trois. Pas nous ordonne nous quand on a envie de nous faire cinq, quand on a envie de nous faire quatre. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoie Mu'adh ibn Jabal radiyallahu an vers Yémen, un pays qui s'appelle Yémen, dans le sud de la péninsule arabie, alors il dit, ya Mu'adh, ô Mu'adh, innaka taqdimu alayka qawmu ahli kitab, pour une bonne gens du livre, pour venir vers toi, pour venir renseigner, pour venir questionner toi. Et ici, bonne gens du livre peut faire référence à ban Yahoud. Parce que dans Yémen, à cette époque, c'était ban Yahoud qui t'y habite dans Yémen. Pas si ban chrétien, excepté très peu. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ, fait une façon que la première chose qui t'invite zut, شَهَادَتِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, l'unicité, témoignage, l'unicité d'Allah, wa anni rasulullah, et que moi mon messager d'Allah, fa innahum aqarru lak lidhalik, et si ban la accepté kalima la ilaha illallah, je n'accepte la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fa akhbirhum, informe-les que anna Allah qad farada alayhim khamsa salawat fi al-yawm wa al-layla, que Allah fin fait faraz l'ozut cinq fois salat. Alors donc, c'est quoi applique salat? Applique salat, c'est quand quelqu'un peut faire cinq fois salat au quotidien, tous les jours. Ensuite, applique salat, deuxième condition, qui fait un djimoun rentre dans catégorie ban qui peut appliquer salat, faire les cinq salat dans l'air qui Allah
fin défini. En tant que musulman, mon pas choisir les salat. Malheureusement, il y en a beaucoup de monde. Vous faites salat quand vous êtes libre. Vous faites salat quand vous êtes libre dormi. Vous faites salat quand vous êtes fini travail. Mais en islam, salat est prescrit dans l'air. Ça, dans l'air, c'est Allah qui établit ça. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certainement, salat finit être prescrit dans un lieu spécifique. Fajr, il n'a soulé à rentrer, il n'a soulé à finir. Fajr, il n'a soulé à rentrer, et soulé à finir avant lever du soleil. Zohar, il n'a soulé à rentrer après la zawal, jusqu'à que l'ombrage, un objet vient longuer objet là. Asar rentrer dans ce moment-là, quand les Zohar terminés, jusqu'à coucher du soleil. Maghrib rentrer après coucher du soleil, jusqu'à l'obscurité, veut dire, prend le dessus, jusqu'à faire noir. Et Isha rentrer quand l'obscurité est fine, complétée, jusqu'à la moitié de la nuit. Alors donc, un musulman, les besoins trouvent au moins 5 minutes pour les faire 2, 3 ou 4 rakats dépendant de la salat. Depuis Fajr rentré jusqu'à lever du soleil, nous n'avons pris 1h30. Donc Allah peut, comme si Diaou, aux musulmans, dans 1h30, dans 90 minutes, route 5 minutes là-dedans. Faites 2 rakats pour moi. Depuis après Zawal, jusqu'à que l'ombrage un objet vienne longuer objet là, à peu près 2h30. Ça veut dire à peu près combien? Les faire 150 minutes. Dans 150 minutes, route 5 minutes pour moi, pour te faire 4 à 4. Et Asar, quand il rentrait dans ce moment-là, jusqu'à coucher du soleil, il a à peu près 2h30 encore. Route 5 minutes encore, 5 à 7 minutes. Depuis coucher de soleil jusqu'à faire noir, il y a à peu près 1h15. Route 5-6 minutes, fait 3 ou 4 pour moi. Depuis que la nuit finit rentrer, l'obscurité finit prend place, jusqu'à la moitié de la nuit, il y a à peu près 2h30. Route encore 5-6 minutes, fait 4 ou 4. Alors, il n'y a personne qui est capable de venir. Vient dire qu'il n'a pas gagné le temps. Mais parfois, arrive une exception. Parce que nous, dîne, c'est un dîne qui est réaliste, common sense, flexible. Si un dîmon est malade, mais il n'est pas capable de faire salat dans ce moment-là. Quand il est bien, il fait salat. Pas de problème. Quand un dîmon est endormi, il n'est pas capable. Il fait besoin d'une migraine, d'une boire médicament. Il n'est pas supposé lever là, il est supposé attendre son migraine terminée. Mais quand il lève, il fait salat. Même les années passées. Quand un médecin peut aller entreprendre une opération qui peut coûter 4 heures de commencer, Asar, avant Asar, mais il peut finir Isha. Quand il finit, il fait ce salat. Est-ce que ça va là? Je te fais désobéir à Allah? Non. Vous si vous pouvez obéir à Allah, parce qu'Allah fait flexibilité pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala dit Fattakullaha mastata'atum. Paye Allah quantité que vous êtes capable. Wa ma ja'ala alaykum fi d-dini min haraj. Allah n'a pas fait de mettre difficulté dans la religion. Un docteur n'est pas capable d'humilier l'opération, de quitter, de dire non, namaz. Quand il fait namaz, il s'est là, il y a un mot. Il est bien qu'on s'y fait sur l'opération. Un djimoun n'est pas pour dire non, tu es obligé de faire namaz, mon bois médecine migraine, tcha. Non, obligé de faire namaz. Mais ce médecine migraine n'est pas pour faire l'effet. Allah, il met de flexibilité dans ce dîn. Parce que, hadith qui est rapporté par muslim, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, le jour de Khaybar,
Le jour de Khaybar, quand ban mushrik tivin encerclé Madina pour tuer tout ban musulman. Alors dans ce moment-là, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ban sahaba, pas capable de faire namaz asar dans ce lieu. Parce que je suis besoin de défendre Madina. Omar ibn Khattab, quand Maghrib ibn Finia rentré, il était en colère. Il dit « Shaghalouna an salat al-wusta, salat al-asr. » Je te fais une prive-nous de la salat asar. Là qui n'arrivait. Après Maghrib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin fait asar, ensuite fin fait Maghrib. Ça veut dire que quand j'ai mon l'épée n'a choix, il est dans une situation difficile, oui, nous gagnons droit, faire namaz quand nous sommes capables. Mais ça, il n'est pas tous les jours, ça. Arrivé parfois. C'est pour ça que un hadith qui est rapporté pour Ad-Dar Qutni, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man nama an salatin, c'est lui qui fait dormi, il pan resi levé, il pan tan alam, personne pan levri, il levé tard, soleil fini levé, il l'a levé, ou nasiha, ou bien un panique, un problème est arrivé, il a oublié fait namaz. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ali, fal yusalliha idha dhakaraha. Qu'il y fait Ali au moment que, dès que l'y rappelle. Au moment qu'il y rappelle qu'il n'est pas de faire salat, fait Ali dans sa lia là. Ça même se lia ça. Ça veut dire, Benjamin qui peine aucun prétexte, je ne besoin faire salat dans l'air qui Allah fin défini. Mais si Benjamin a une raison valable, basant le ban l'exemple, c'est un exemple qui nous fait citer par exemple, oui, il est capable de faire salat dans une situation qui nous fait mentionner. Il n'est pas fin, veut dire, fait aucun erreur. Mais un djimoun, il a assisté les pégés de football. Il attend le football fini pour lui faire un namaz en déolia. Ou bien une madame qui pégé de ban série. Il attend ce série fini pour lui faire son namaz en déolia. Ou bien un djimoun peut travailler. Il attend ce travail fini pour lui faire un namaz kaza, comme on dit, ça n'est pas mort, c'est ça. Ça n'est pas acceptable, ça. Alors donc, iqamatu salat, c'est faire salat dans les heures prescrites, ou bien d'après flexibilité qui Allah fin donner, pas nous qui fin prendre. Troisième condition, iqamatu salat, nous faire salat d'après les conditions qui Allah fin mettait et qui fin enseigné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas faire salat comme on a envie, façon nous envie. Ne pas mettre l'ins qui m'a envie pour venir faire salat. Ne pas débouter comme on a envie de salat. Ne pas assiser comme on a envie de salat. Et il y a un principe, une condition à respecter. Et dans le monde, sauter les doigts la main, il y a du mal. Il y a ses lits comme un grand vegan noir. Confortable, il y a ses lits, il y a tout le monde qui fait salat. Qui n'arrive pas? Ou les pieds cassés? Ou les reins, il y a un problème? Ou colonne vertébrale, il y a un problème? Non, moi, les doigts, il y a un problème. Quittez ça. Pas marcher ça. Ne mange pas compter. Ne mange pas compter parce que vous ne pouvez pas respecter les conditions. Condition salat, un de ban, pilier de la salat, debout, dans namaz faraz. Wa qumu lillahi qanitin. Sallu qiyaman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fais un namaz debout. Fa illam testatui'a, si tu n'es pas capable debout, alors, fa jalisan, sallu julusan, fais un namaz assisé. Fa illam testatui'a, si tu n'es pas capable, sallu qu'oudan. Assise, fais un namaz assisé. Si tu n'es pas capable, fais aller le jambe allongé. Mais si tu es capable de bouter, tu as un droit assisé? Non, tu n'as pas un droit assisé. Mon frère qui peut assisé, je me disais guetter. Allah fait mettre la loi. Fattakullaha mastata'tum. Reste dans les limites Allah, dans la limite qui est possible, quantité qui est capable. Si mon les doigts cassés, mon la main cassée, mais qui relation avec débouté avec Rukun, avec Sizda. Mon capable fait un namaz debout.
mon kaba fait un roukou. Mon kaba fait six dames, mon papa, salam il en bas. Mais à cause de mon amène, quand c'est moi cisé, ça n'est pas moi, c'est ça. Ça veut dire que chaque dimon bizet qu'on lit, nous ne sommes pas capables de dire bye au pétricier là, ça n'est pas notre devoir, ça, pas, nous pas gagné droit à faire ça. Chaque dimon bizet qu'on lit même. Est-ce qu'il est capable de débouter? S'il est capable de débouter, il n'est pas supposé à cisé. Ce problème roukou ou pas capable de faire roukou, pas de problème de débouter. Donc, qiyam, quand arrive roukou, à 6 l'eau 16. Quand arrive 6 da, 6 l'eau 16. Ou bien, bah, il est capable de débouter, il est capable de faire roukou, ce problème 6 da. Mais pas de problème de débouter. Quand qiyam, quand faire roukou pareil. Quand il est à 6 da, à 6 e. Ça veut dire, fais attention, namaz pas compter sinon. Ça veut dire nous bizer qu'était coûte ça coûte problème là était si six da problème. Nous pas faire six da en bas, nous faire six da l'eau 16. Si roukou problème, nous faire roukou l'eau 16. Si nous pas capable ni débouter ni faire roukou ni faire six da, là non cisé. Ça veut dire troisième condition iqamatus salat, respecter les conditions de la salat. Ou bien abaye qui divine les mettent les qui pas supposé mettre condition salat, c'est quoi? Satru l'aura, il est bien couvert sur l'aura, surtout dans le jeûne. Et parfois, nous avons un faux argument qui nous a mené et nous laissons tranquille. T'as l'air, nous pouvons le dire pour quitter ma zid. Mais pas mon problème, ça pas à cause la crainte qu'ils aient cela pour quitter ma zid. Mon tolé ali fait namaz sur l'aura est découvert. Un faux jugement, ça, un faux argument, ça. Un jeune, il rentre, il peut faire 6 da sur la moitié quand son descend en bas. Je ne peux pas dire qu'il n'y a rien pour payer tension de quitter ma zid, mais c'est un faux raisonnement. Je suis bien causé, mais dans la bonne façon. Je suis bien causé. Pareil comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux causer le jeune. Le jeune, tu peux faire un rire. Nous inspirons-nous dans la façon de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas fini de dire non, 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 pas les autres, plutôt aux poussants. C'est pas moi, c'est ça. L'islam peine à faire zeste dans l'islam. Ça pas bon, mais c'est corrigé. Mais différence, la façon de corriger. Façon qui nous approche du monde là. Façon qui nous cause au lit. Bonne parole qui nous servit. Ça oui. Ça, l'exemple, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes des jeunes là, non, pas comme ça qu'habillé. Tu ne peux mettre un linge en dessous de ton genou. Tu ne peux pas mettre un design qui gagne très démon, couleur. Tu ne peux pas mettre des bordiers vinis. Habille-toi correctement. Quand tu n'as pas le mariage, comment t'habiller? Quand tu n'as pas l'école, comment t'habiller? Mais quand tu n'as pas pour une masjid, comment tu peux aller à la toilette? Vous êtes comme ça, pour les comprendre. Ça veut dire la même condition. Et comme à tout cela, c'est respecter les conditions. Quand on peut habiller, comment on peut débouter. Pareil comme ça, il y a à tout cela. Vous pas capable d'un saf, un ici, l'autre côté ici, des démons au milieu. Des gros démons au milieu, parce qu'il fait, Moussaline quitte l'espace. Tarasou, Rasulullah Sam dit, Kosté n'a pas quitté l'espace pour Shaitan. La tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous n'êtes pas dressé, vous savez correctement, Allah vous sème, veut dire la haine de vous l'équerre. Pas pour nous l'équerre ensemble, pour un problème entre moussalli. Quand on débute dans saf, tout saf bizin, sans qu'il nous coince nos camarades. Mais c'est moi, il ne faudrait pas, il y a l'espace abusif. L'autre l'un débute là, l'autre l'un débute là-bas, un gros l'espace ici, un gros l'espace, c'est pas mal. Pas saf ça. Ça, tout ça là, important, mais apprendre. Ça veut dire, iqamatu salat, numéro 1, 5 fois salat. Au quotidien. Deuxième, iqamatu salat, respecter. Deuxième, dans ce léa, respecter les heures prescrites. Troisième, respecter les conditions qui attachées avec la salat. Quatrième, qui concerne Banzom, faire salat dans en congrégation. En congrégation. Définitivement,
préférablement dans un masjid. Mais au cas qui peut être un masjid, dans n'importe quelle place qui nous capable faire une congrégation, un prayer room, un jamaat kana, une place campée dans un masjid. Quand un masjid ou une masjid, besoin faire salat dans un masjid, parce qu'il dans sa vie c'est là qu'il dit warqa'u ma'ar raki'in, inclinez-vous faire ruku ensemble avec ban qui peut faire ruku ensemble. Ça veut dire en congrégation. Zom bise faire salat en congrégation. Sans aucune raison valable, nous pas gagner droit faire namaz la case. En zom ce salat dans masjid. Sauf parfois vous sentiez fatigué ou les coins crasés, mais faire namaz la case. Ou pas capable vous gagner sommeil une nuit ou pas dormi ou mis au travail le matin. Il n'arrive à ça ou pas capable. Mais dormi. C'est ma respecter l'air. Ou bien on peut avoir une douleur à la tête. Mais boire un médicament après vous lever. Mais quand un homme, il sent son attire, il fait un namaz, la case comme madame, ça n'a pas gagné droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sami an nida, celui qui fait une écoute l'appel de la zan, falam yujib, et il n'y pas répond, ça veut dire qu'il n'y pas vide masjid, fala salat alahu, peina salat pour lui. Ben, ulama fin divergé à propos ce qui veut dire peina salat pour lui. Un groupe ben ulama dit s'il fait aller la case, il gagne péché, mais ce salat valide. Salat est valide, mais il gagne péché pour qu'il n'y pas vienne faire salat en congrégation. Alors que, deuxième groupe de ben savants dit c'est lui qui fait une tan azan. Les pan vin masjid sans aucune raison valable. Ce namaz invalide, même s'il fait ali. Ça veut dire qu'il est assez sévère, ça. Hein? Nous pas là pour décider laquelle qui a raison. Ce qui est important, c'est qu'on comprend qu'il nous pas gagné droit badiner avec ça. Faire namaz en congrégation pour banzoum obligatoire. Excepté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit illa min udhrin. Excepté celui qui a une raison valable. قالوا يا رسول الله وما العذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كي من raison valable au prophète d'Allah قال le prophète صلى الله عليه وسلم fin dire المرض والخوف ou bien الخوف والمرض la crainte ou bien malade l'insécurité il y a problème de eau il y a des ordres ou bien il y a cyclone ou capable blessé quelque chose pareil ou bien on est malade. Ça veut dire, pour une raison valable, on fait namaz la case, pas un problème. Mais comme ça même, amène rôle madame, pas gagné droit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à tel point il est en colère, il tire au bril la case. Ben, j'ai mon qui parvient faire namaz en congrégation. Je n'arrête de faire namaz en congrégation. Il dit, si je suis capable de faire remplacement là, je sortis, je brille les autres et j'ai la case. Voilà les quatre conditions. Qui tout musulman, vous avez connu, cinq fois salat, dans ce lieu, d'après une condition qui Allah fait mettre dans le Coran, dans le Hadith, et quatrième, pour les hommes, faire salat dans la case. Bonne madame, namaz, préférablement, idéalement, dans la maison. Madame, vous avez fait salat dans la case. Sauf quand il y a une leçon, ou bien Jumu'ah, pas cause sur la Jumu'ah, parce que causerie, les bien viennent profiter avec connaissance. Ou bien, puis envie de prendre un petit lire, puis au Tibet, il n'arrête qu'au masjid. Oui, bonne madame, il y a un droit. Mais tous les jours, madame fait cinq fois sur la masjid, ça n'est pas d'après Sunna, ça. Il n'est pas d'après Sunna. Madame, idéalement, fait namaz la case, sauf pour un événement, comme on a fait dire, une causerie. Un Jumu'ah pour les venir écouter, ou bien les peut sortir, un coup comme ça, prend un pélire, sans atmosphère. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tamna'u ama Allahi masajid Allah. N'a pas empêché ce ban madame bin masjid, ou abuyutuhunna, mais zut la case, khayrul lahun, meyya pour zut. Zut la case, meyya pour zut. Ensuite, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit Wa atu zakah. Et donne la zakat.
nous pas prendre dans si c'est zakat trop beaucoup, il y en a trop long. Zakat applicable au ban qui en a le moyen. Nous avons trois catégories de personnes. Trois catégories du monde. Nous avons le riche, nous avons le pauvre, nous avons le middle class. Il n'est pas ni riche ni pauvre. D'accord? Alors, nous avons le pauvre. Le pauvre est le très pauvre. Sami Kapelli, Fouqara et. Fouqara, deuxième. Miskin. Fakir, miskin. Fakir, c'est un djimoun qui. Zozi de na manger, demeli partiellement pour gagner manger. C'est un fakir. Zozi de na lazo, demeli pas pour connaître, pas pour na lazo la soulami. Miskin. Il y en a l'argent, mais seulement si l'argent n'est pas capable de risquer jusqu'à la fin du mois. Les pieds, quand ils roulent, ce qui arrive le 20, une plate. Ça, c'est l'ici pauvre. D'accord? Alors, donc, ça, c'est catégorie ban pauvre. Nous avons la classe moyenne. La classe moyenne, il y en a l'argent, sur la fin du mois, ils ont des bouts. Mais seulement après la fin du mois, ils peinent à l'argent. Ils peinent à l'argent garder. Ils vivent normal. Ils mangent bien. Ils ont tous les bonnes affaires. Ils n'ont pas besoin de mendier. Ils n'ont pas besoin de prendre prêter. Non, rien. Ils sont capables, alhamdoulilah, de tirer sur les jours. Mais seulement, sur l'argent, avec la fin du mois, fini, il reste 50 roupies, 100 roupies, 500 roupies, 1000 roupies. Ça me reste. Ça, c'est la classe moyenne. Ensuite, nous avons ban qui riche, ban qui riche, qui s'en a ça, c'est ban qui vivent, je te paye mais je te vive d'après je te moyen, ça que je t'envie, je te manger. Je dis je te pas envie manger la maison et non restaurant. Je dis je suis fatigué et tout figuier, dis bon non camper. Non dis bon parfois on a fatigué et tout figuier, soit dis bon fatigue moi c'est mal camper 3-4 jours parce qu'il y en a le moyen. Il y a le moyen pour faire ce luxe-là. Arrive la fin du mois, il y a 15-20 000 roupies restées. Ça, là, ban riche. Zakat applicable, l'eau ban riche. Le pauvre, il y a l'argent. La classe moyenne aussi, il y a l'argent. Zakat applicable, l'eau ban djimoun qui a une grosse somme restée la fin du mois. Bien sûr. Là, nous parlons dedans, conditions zakat, il faudrait qu'il s'allonge en un reste un an, etc. Ça, nous ne parlons pas là-dedans. Mais ce qui est important, ici, nous fait ressortir une petite chose qui, malheureusement, beaucoup du monde n'a pas causé. Un seul point, là, nous pouvons traiter le zakat. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tu envoies Mu'adh ibn Jabal dans Yémen. Quand il s'est envoyé dans Yémen, il dit, quand on a accepté la ilaha illallah, il faut que nous qui Allah fait 5 fois namaz, faraz lo, si je t'accepte, fa akhbirhum anna Allah qad farada alayhim zakat amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Que Allah fait obligatoire zakat de cette richesse. Prends une partie l'argent depuis ban riche parmi ban là et donne aux pauvres parmi ban là. Ça qui nous cause l'eau là, un tigit. Prends zakat depuis les riches, quoi c'est ça, de Yémen, et donne à ban pauvre parmi ban là. Donne ban pauvre dans qui pays? Dans Yémen. D'accord? Est clair ça? L'eau là qui nous peut causer. D'après principe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y en a du monde misère dans Madina? Bien sûr. Est-ce qu'il y en a du monde misère dans Makka? Bien sûr. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, te connais, Mouaz, prends zakat avant Madina? Non. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Mouaz, prends zakat avant pour ban misère dans Makka? Non. India prend zakat depuis riche, ban riche depuis Yémen
donne ban la même, ban pauvre parmi ban la même. Ça, c'est le principe qui est très important concernant la zakat. C'est que, aujourd'hui, qui peut arriver, peut-être par manque de connaissances, je n'ai pas pu renseigner beaucoup, parce que zakat, c'est pas l'argent qui ou fait ça qui ont envie en ça. Zakat, c'est un amanat, ça. C'est une responsabilité, ça. C'est un ribadat, ça. Nous pas fait comme on a envie. Et surtout, ben jimon qui a la tête ban zakat, ban la tête ban fond zakat. Si je tiens la connaissance, tant mieux. Mais si je peux la connaissance, qu'est-ce que je vais faire? Fas'alou ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Demande celui qui n'a connaissance, qu'on pas connaît. Pas fait un fait accompli. Pas fini fait, après on pose question. Il est très important qui dans Maurice, man qui collecte zakat, vous êtes fini devant vous êtes l'apôtre avant. Avant vous êtes ailleurs. Et pas venir avec ça argument qui dans Maurice Pena Dimoun qui mérite zakat. Quand on dit dans Maurice Pena Dimoun misère, qui veut dire on mal comprend zakat. Parce que est-ce qu'Allah fin dit zakat seulement pour Dimoun misère? Est-ce que Allah dit zakat seulement pour dire mon misère? Qui Allah dit dans Surah Tauba? Innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-hamilin 'alayha wal-mu'allafati qulubuhum wal-gharimin wa fir-riqab wa fi sabilillahi wa ibn-sabil. Widjimun. Allah subhanahu wa ta'ala dit zakat pour widjimun. 8 catégories de personnes. Là-dedans, miskin, dès là-dedans. Dès dans 8, combien restait? Reste 6 catégories. Ça veut dire sa notion, ou bien sa malentendu, ou bien sa jahalat qui beaucoup de monde. Non, pays de monde misère dans Maurice, ben nous prend tous nos zakat, nous dévite dans les autres pays. Il n'est pas vrai. Il n'est pas vrai. Tout d'abord, ça argument là même n'est pas exact, n'est pas nécessairement vrai. Peina di moun misère dans Maurice. Qui s'en dit ou ça? Qui s'en dit ou peina di moun misère dans Maurice? Yahsabuhum al-jahil aghnia min at-ta'affuf. Ena di moun misère dans Maurice, ena li misère ou trouve li misère. Mais ena aussi di moun misère qui se mal pas vin mendier devant ou? Ça aussi là. Ça veut dire quand on pas trouve du monde misère, quand on pas connaît à propos du monde misère, ou servi un affaire simpliste, non, pas du monde misère qui vient, on pas trouver moi. Non, il n'est pas joli. Il n'est pas juste. Et il y a du monde misère. Bien sûr, il n'est pas pareil comme l'Éthiopie ou bien l'Afrique, du monde, puis bien mange, l'Eb. Pas dans sa catégorie du monde misère là, mais il y a du monde misère qui vraiment les misères. Un petit peu de misère, il n'est pas besoin seulement un bousser manger. Li. Un petit peu de misère, il y en a ce certifié qui a gagné ce période. Il n'est pas besoin de papier hygiénique, pas besoin de cotex. Mais la misère, comment passe-t-il ça? En l'an 2023, il a besoin de siphon M. Il a besoin de servir siphon M. À cause de tout le monde trouve de misère, toi. Mais il n'est pas besoin de garder propre, de taharat. Pas besoin de rasoir. Côté pour qu'un casse. Ce garçon, ce enfant qui a à l'école, pas besoin de bout de jipper le matin. Qui a un cadeau, ça gobe dans l'air, ça. Jipper là pour tomber. Pas besoin de rester s'il y en a 3-4 enfants. Pas besoin de rester 3-4 jipper. Jipper là. Pas besoin de mettre jipper là-dedans. Pas cause fromage, pas au moins jipper, pas besoin de mettre là-dedans. Quand madame là lit, ce migraine il prend, ce douleur la tête il prend. Quand il finit là, ce période, ce douleur, il ne prend pas besoin de médicaments. Mais tout cela, qu'est-ce que c'est ça? Gobe dans l'air, ça? Pas besoin de l'argent? Ça veut dire que vous avez donné une ration. Vous avez donné de la farine grand matin tantôt. Attention. Vous n'avez pas une badinée. Ça veut dire que vous avez une exigence, vous avez une ration.
ses enfants, sa bail qui travaille gardien, son monsieur travaille, son madame travaille pas dressé dans la case du monde. Mais seulement il y a un garçon lui, il tient 4 unités, il y a le royal pour lui. Mais à cause de misère, il n'est pas supposé prendre son lit. Il n'est pas qu'à venir lauréat lui. À cause de misère. Mais tu dois bien. Tu es ici qui nous apprend les sons. Où diamant, c'est parce que non sens là ou bien parce que où était où? Où fait osisme? Nous ne pouvons pas critiquer personne, nous pouvons mettre de l'avant, veut dire nous pouvons être interpelle l'intelligence de Ban Kitié Zakat. Qu'on fait bon usage de Zakat. Zakat est un outil, un arme ça. C'est non pas qu'on fait service homme la vie physique. Alors donc, mais aussi nous avons un djimoun qui dans la peine, il est endetté sur la case pour le saisir. Ce monsieur qui quitte l'île, il a payé la case. Il y a un très les problèmes qui djimoun fait face. Allah fait une 8 catégories djimoun et là-dedans, tout ça, un djimoun là rentre là-dedans. Alors donc, nous payons en premier. Si vous permettez un argument, non, il y a une urgence. Ici, tremblement de terre, ici, inondation, ici, Dimoun Pemo, ici, ça. Mais chaque seconde dans le monde comme ça. Si nous parlons d'urgence, grand matin, c'est ce qu'attend, nous avons une misère, ici, pour s'en manger, pour s'en ennuyer. Comprends? Ça veut dire qu'il y a un juste milieu. Oui. Nous sommes capables de prendre nos lois, une partie, nous sommes capables d'être dans des hauts, mais la majorité de nos lois, nous sommes gardés ici. Nous sommes montés la case pour nous bandir mon misère. Nous bandir mon misère pas mériter la case. Hein? C'est des hauts qui disent mon misère la case. Dès là, ça ne peut pas monter pour nous bandir, frère, et que nous sommes à 4 dans Maurice. Nous ne pouvons pas rester. Une grosse portion de terrain, des hauts 3 hauts avec l'an Zakat. Après tout, l'année, nous montons de la case pour ça que nous misère. Et que sur l'an qui mérite Zakat, c'est des hauts qui méritent l'an Zakat, c'est des hauts qui misèrent en zot la case. Hein? Si toute société qui résonne comme ça, est-ce que tu peux dire que misère, Maurice? Elle n'a pas si pour dire que misère. Elle n'a pas si pour dire que misère. Si vous calculez, si. Toute société m'a piqué ensemble. Ça a collecté 5 millions, l'autre a collecté 10 millions, l'autre a collecté 20 millions, l'autre a collecté 100 millions. Faire ça, vinen, veut dire un fonds commun. Combien d'enfants nous avons acheté pour l'année? Après, nous causons l'école. Le plus important, là, c'est la case. Parce que la fin du mois, madame, il y a une dépression. Comment vous payez la case? Il y a une vive. Sur les gars, commence à se battre, il est 25, il prend encore une casse, il a pour payer 5 000 roupies. 2 000 roupies, il y en a. Pas un cas, il y en a comme ça. Quand on rentre sur la case, au moins, on laisse dormir tranquillité. Vous trouvez? Nous faisons droit qu'Allah soit. Nous ne pas dire qu'il y a une société, pas fait. Hein? Mais seulement, si nous faisons ça, c'est une priorité. Beaucoup de sociétés font. Et nous, alhamdulillah. Et dans la bonne société, vraiment, je te fais. Mais si la bonne société fait ça avec une priorité, nous enlève la pauvreté dans nos pays en premier. Nos situations, tu peux améliorer. Nos situations, tu peux améliorer. Donc, waqimu salat, waatu zakat, warkahu ma'ar raki'in, et fais salat en congrégation. Ata'muruna an-nasa bil birr, Allah subhanahu wa ta'ala dit. Pekos avec Ban Yahoud. Parce que Ban Yahoud qui a sa mentalité. Malheureusement, Ban Musulman fin gagne manière juif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La tattabi'anna sanana man kana qablakum. Je peux suivre les coutumes, les principes de Ban qui avant eux. Shibran bi shibr. Pas par pas. Dhira'an bi dhira'a. Coudé par coudé, c'était une mesure ça, coudé. Pas par pas ou bien coudé par coudé. Hatta law dakhalu juhra dab. Jusqu'à si ban la rentre dans un trou lézard, musulman là aussi pour rentrer là-dedans. Ban sahaba dit, Ya Rasulallah, est-ce qu'il te peut dire nous poursuivre Yahoud avec Nasara?
Le prophète sallam dit faman bi a propos que ça n'a pas causé là. Nous musulmans, nous vous prenons mauvais qualités juifs et chrétiens, nous aussi nous vous vivons pareil. Alors, ban juif, je tiens à sa manière là dans je, surtout je ban miadi, je ban imam, je ban prêtre. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ça, c'est une parole, tout le monde connaît ça. Ben, du monde religieux, cette cause, cette chose qui se peine dans eux. Est-ce qu'il ne pas devenir pareil? Nous ne pas dire tout le monde qui causait. Et il y a du monde comme ça, clairement. Et il y a du monde, parfois, on trouve certaines bandes manquements dans lui-même. Et dans le monde, 100% ça qui lui cause, il disait cause au lien de la glace. Ça aussi, non? Il monte le mimbar, comme on dit, il disait, eh ben, mettez la glace devant, écoute. Cause au avant. Comment capable ça? Parfois, on trouve un monde qui peut causer, ben, bail, bien pratique, dit, applique sunna, il peut pas sunna l'ouli. Vous avez dit, comme ça, comme on dit, dit, il vient un cisé académique. Moi, dans certaines manières de l'école islamique, peine à dîner là-bas, il y a 6 édines. Puis il apprend 6 édines, il apprend depuis pas un, jusqu'à pas 500. Après, il n'y a pas de nom, il y a dans une composée tick. Tick the right answer, fill in the blank. Après, il y a 100 lots. Après, peine à nom, il y a pas de nom. Alors, faudrait nous, musulmans, nous besoin mettre en pratique ce qui nous causait. Parce qu'il y a pour faire, sinon, il y a pour faire l'effet négatif dans nous la vie. Et tout le monde qui est alentour de nous. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, dans le Coran, ici, dans sa verset qui nous peut dire là, Ata'muruna an-nasa bil birr, est-ce que je t'ordonne du monde la bienfaisance? Wa tansawna anfusakum, mais je t'oublie eux-mêmes? Wa antum tatnuna al-kitab, alors que je lis le livre, je t'ai la connaissance? Afala ta'aqiloun, est-ce que je t'ai la l'esprit? Les insensés, nonsense ça? Qui en dit monde, il propose la religion, il propose la bonne parole, mais sa bonne parole là pas trouve dans lui. Il est immoral ça. Ya ayyuhalladhina amanu sura saf. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Qui fait ce dire qui ce que je pas faire. Kabura maqtan 'inda Allah. Il est dégoûtant. Il est vraiment répugnant devant Allah. Antaqulu ma la taf'alun. Quand tu dis quelque chose qui ne peut pas faire. Tu peux mettre dans toi quelque chose qui te peut prôner, te peut dire, te peut enseigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis Bismillahir Rahmanir Rahim jusqu'à minal jinnati wan nas, toute la loi, tout conseil, tout moral, tout pratique qui est dans sa Coran et n'allie dans la vie de parole dans la vie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ban tabirin dit Onu mama Aisha radiallahu anha, explique nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne trouve Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aisha radiallahu anha dit, est-ce que je ne lis le Coran? Hadith Bukhari, ça reste là, trouve dans Bukhari encore. Est-ce qu'ils ont pas lu le Coran? Kana khuluquhu le Coran. Son akhlaq, c'était le Coran. Son akhlaq, c'est le Coran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah dit certainement, tu as un akhlaq extraordinaire. Le professeur Assam, tout ce qu'il dit, il y a dans lui. La gentillesse, il y a dans lui. Il fait une pratique. Li. La générosité, il fait mettre li en pratique. La bravoure, il fait mettre li en pratique. Iman dans Allah, il fait mettre li en pratique. La soumission, tient à li dans lui. Tout ce qui est dit dans le Coran, tient à li dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'immoral pour qui nous dit quelque chose et nous pas faire li. Et là, il n'est pas seulement concerné ban imam. Quand il finit de causer, on trouve tous les contraires. De sa vie, de sa famille. Mais même à titre individuel, ou en vue où la case est un changement, ou bien un exemple avant, c'est en anglais on appelle ça the role model. Vous avez ça
l'exemple. Comment on est capable d'aller aux enfants faire namaz quand on peut dire, hey, al namaz, mais c'est ma pour consigner de fimo. Il va m'en c'est. Ou parler aux madame, elle descend, mais c'est ma pour la vouloir tout avec ou ti maillot aussi. Madame, pas pour écouter tout. Pour qui ou gagne barakat da ou causer, faudrait en aller dans où quand on peut faire namaz ou pratiquer au sunna, on dit à garçon, fais bismillah, fais sunna tout ici. Il parle de celui qui dit, c'est un imbécile là. Namaz, c'est pas fait, puis je vais faire sunna. Il va pas dire ça. Quand on t'y fait, on dit, t'y fait, il arrive là, je peux te mettre ton djilba, bastia. Il va pas dire, mais toi, quand tu es dans mon laz, ou bien toi, l'année dernière, tu te fais commencer à mettre djilba, toi, blesse-moi ici, mon zuir, il va pas dire ça. Parce qu'il est allé dans où? Ça veut dire, vous avez l'exemple dans la case, ça qui vous dit, appelez client en premier en où? Là où dit que madame, là où dit que enfants, imam là aussi pareil, un patron aussi pareil. Nous avons besoin de l'exemple de nos paroles avant. Là, il fait l'effet, il fait changement dans la vie du monde. Bien sûr, perfection, il n'y a pas ça. Personne n'a pas perfection. Pour y avoir un manquement, mais une sainte connaît lui. Mais toute personne a un manquement. Mais en flagrant délit, comme ça, comment dire, ou faire le contraire avec une attitude, comment dire, bihaya. Ça n'a pas, faudrait pas, dans la vie de musulman. Faudrait pas, comment dire, ou faire ça avec un homme. Moi, je ne peux pas faire namaz, je peux dire que je fais namaz. Moi, je peux faire causerie, après, je peux faire le contraire. Je peux la vie pour le contraire. Ça, il n'est pas mort. Ou bien on peut venir au mimbar dire mon frère, bizarre pas coquin, c'est moi ouais mon grand voleur. Faut pas faire ça. Dis-moi tu peux perdre confiance. Parfois on va saisir autour du monde là, on connaît un voleur ça. Il peut causer ou pina aucun l'effet. Pina aucun l'effet. Barakat causer là pas marcher, dis-moi là plutôt ferme sur les yeux, une djouma et bien attendre djouma fini puis aller. Parce que nous tous besoin un exemple pour nos frères, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Conseiller à l'autre, la patience, signifie la vérité, mais il faudrait qu'il trouve ça dans moi, il trouve ça dans où. Là, comme au causé, ou écoute-moi, quand au causé, moi écoute où. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Mathalu alladhi yu'allimu an-nas al-khayr, l'exemple de celui qui enseigne dimoun le bien, wa yansa nafsahu. Et lui oublier lui-même. Qui veut dire que lui enseigne une petite chose, mais lui pas pratique lui-même. Comme Thalis Saraj. Lui paraît comme une la bougie. Yudri ou l'innas. La bougie lui donne l'éclairage aux autres. Ça veut dire lui bénéficier les autres. Mais c'est moi qui arrive lui. Lui brille lui-même. Il faut dire lui brille lui pour lui donner les autres. La même chose quand. Ou peut enseigner le bien, mais ou pas pratique li, du moun l'en bénéficier capable d'une sape sur la peau et qui fait l'enfer. Mais c'est moi qui parle vous, parle dans l'enfer ou. Ou parle briller dans l'enfer et l'ironie là-dedans. Ou fin faire l'autre là dans le jannat. Ou fin bénéficier l'autre là-dedans, mais c'est moi qui parle finir ou dans l'enfer ou. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la nuit du mi'raj, comme on trouve dans l'enfer, ben du moun qui, la mâchoire peut déchirer. Moi fin demande Jibril, qui s'en a ça? Il dit, ha oulaï khutaba ou ummatik. Sa ban là, c'est ban qui fait khutba de ta ummat. Je t'y peux cause qui t'sose qui peina dans eux. Pour au moins, au minimum, quand tu connais, tu as le certain cisé, par exemple, tu as un peu collé à toi. Au moins, pas faire causerie là. Il vient de sa cisé là. Cause les autres qui choses, devant toi-même. Par exemple, on dit, mon caractère saut, mon la guerre, parfois la mélisse. Moi, vous une cause, il y a un assasé, il y a pas la guerre, il y a pas chose, immoral. Cause un autre, si c'est. Cause valer namaz, cause valer zakat. Pas cause ça, au moins, au minimum. Pas ridiculise toi-même. Pas faire ça. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة الله سبحانه وتعالى جنو prend patience cherche fais effort me dire cherche aide avec Allah comment on cherche aide avec Allah à travers la patience patienter
patienter dans l'obéissance. Pour faire ibadat, nous avons besoin de patience. Parfois, nous avons envie de paresse. Nous avons besoin de lire le Coran. Patienter, lire le Coran. Nous avons envie de sauver. Nous avons sunnat pour faire. Patienter, faire le sunnat. Nous avons tasbih pour faire. Nous avons envie de sortir. Pas connu que moi, puis on va rester dans ma zone. Fais ce qui te sabar, 10 minutes ça, fais tout ce tasbih. Patientez dans l'ibadat Allah. Patientez. Patientez dans résister à désobéissance. Mon envie, je t'en dis, un feuilleton, une débile là. Une série, une débile là. Ou bien un film, ou bien football. Mais ça m'a dit dans l'air, namaz ça. Résister à cause Allah. Patientez quand. Bonne difficulté passe l'eau toi. Kadar ça. Tout le monde bise faire face à problème. Ça n'a ingé malade, ça n'a son business pas bien mort bien. Le talent certifie ingé talak, le talent ingé tel problème. Prends patience, contrôle toi-même, pas manquer respect à Allah. Wastarin ou bissabr. Dans tout quelque chose de ta vie, prends patience. Inna Allah ma sabirin. Allah y avec bonne qui n'a patience. Et résultat, la patience est paradis. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا Jannat, il faudrait une patience. وَالصَّلَات Cherche aide pour faire salat. Cherche aide avec Allah à travers la salat. Et ça, c'est un qui chose qui, moi, ou parfois, nous fait rire. Quand nous stressons, qui nous fait ne pas faire salat. Ne pas faire sunnat. Quand nous stressons. Ne pas faire nafil. Le contraire qui besoin faire. Quand nous avons problème, quand du monde peut manger nous la vie, quand problème de gauche à droite, faites sunnat plus bien. Faites nafil plus bien. Parce que là-dedans, qu'il y a la tranquillité, le contraire est fausse. Aïe, moi, stressé, je vais faire sunnat, moi, je n'ai pas envie là, moi, la case tranquille. Tu es bête. Si tu persévères, Allah peut donner ta tranquillité dans l'équerre, dans ton esprit. Ya Bilal, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Bilal, arihna bis salat. Fais-nous gagner tranquillité dans la salat. Ben sahaba, c'est un citant tranquillité dans la salat. Quand c'est un sahabi dans le qiyam al-layl, il peut faire tahajjud, il gagne coup de flèche, il aime si peut, veut dire, God, gardien dans la nuit, veut dire, kazien, ben sahaba, il peut gardien. Il fait takbir, il peut faire salat, qiyam al-layl, il gagne coup de flèche. Il chini, il peut lire. Il gagne deuxième coup de flèche. Il chini même. Il ne peut pas interrompre ce salat. Il gagne troisième coup de flèche. 10 ans, il commence à se faner. Ce collègue, levé, trouve 10 ans. Il dit, tout parce que je commence à faire un coup de flèche. Je suis qui me sauve quand il trouve Sahaba levé. Il dit, non. Je peux lire une lecture qui ne m'a pas envie de couper sa ayat là. Nous pas sahaba nous sahaba nous aujourd'hui nous disons mais nous sahaba nous suivons sahaba ou car sahaba ou un imbécile ou car une sahaba ou car faire comme ça tout pas de nous pas ta pour l'estomac sa quantité là tiens un musulman casse-cassé au moins ça au moins là aussi pas connaissent pas nous valions ça musulman casse-cassé non mais non nous peut vivre nous peut suivre comme un sahaba nous peut vivre ça comme un sahaba car vivre comme ça où les papes les interrompent sa yat, ils gagnent trois coups de flèche. Vous connaissez qui appelle trois coups de flèche? Trois gros ferrailles rentrent dans l'écho. Et ils peuvent saigner. Les pas ne rentrent qu'à ce salat. Qui fait sa jouissance qu'ils ont gagné dans ce salat. Sa tranquillité qu'ils ont gagné dans ce salat. Au moins, nous inspirons avec ça. Moi, ou quand nous avons des difficultés, persévérer dans ce salat. Wa innaha la kabiratun salat li jiyya. Loban mushrikin, loban munafiqin. Wa idha qamu ila salati qamu kusala. Ban munafiqin zot gain lou paresse pour faire salat. Le croyant pas gain droit gain paresse quand faire salat. Le croyant li besoin et azan pas qu'on donner là. Comment azan donner bay? Après une cause une coute là, j'allais là me faire sunnat là. Parfois na jimun ya tanou devant namaz ou 4 minutes pour faire des sunnats là. Bye. T'as l'air nous causer un coup là? Parce qu'il n'est pas encore comprendre, il vient faire sunnats là. Il pour quelqu'un au sunnat tout là. Non. Attends. Après nous causer. Ou bien comme ça, ou priorité, comment Azanin donner là. Bliez, dis-moi nous. Bliez causer où? T'as l'air nous causer.
Donnez-moi 6 heures, toi, désire, t'as mon cause. Là, pas disturbe, laisse-moi faire mon salat tranquille. Ça, c'est le croyant. Comment Azan donné là, là, ce problème, c'est, il fait, de sur la tête, là, mon âme fait 4 sunnats, là, mon âme pas 6 heures, mon pense Saint-Pierre, là. Ça, c'est priorité. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ صَلَاةٌ لَوْ اكْسَبْتِ مَنْ كَانَ لَفْرِيَة pour Allah. Qui c'est dans la frière pour Allah? الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ بَنْ كِي كُونِي كِي انزوز pour trouver Allah. Parce qu'il nous trouve Allah si nous croyons le jour du qiyam. Nous pas trouver Allah nous amène iman dans la terre. Allah subhanahu wa ta'ala pour récompense nous. Pour faire nous trouver lui le jour du Qiyama, innakum satarawna rabbakum yawm al-qiyama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit vous trouvez Allah le jour du Qiyama. Le jour du Qiyama est dans le paradis si, inshallah Allah fait faveur nous rendre dans le paradis. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashirin alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ban qui connaît demain je pour debout devant Allah. Ça ban là, votre préoccupation c'est salat. Salat nous préoccupation. Salat est un grand ibadat. نفعل دعاء الله سبحانه وتعالى دوننا كمبيانشين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.